It has become today le centre des coqueries. The center of bribery. Le centre des coqueries. The center of bribery. Aujourd'hui, si tu es même pauvre, today, if you are poor, tu n'as pas place à l'église. You don't have your church, your own place in the church. Si tu es pauvre aujourd'hui, et il n'a pris de l'argent à personne. He took money from nobody. Il a apporté le message. He brought the message. Et le message a été gratuit. And the message was free of charge. Il n'y avait aucune condition pour recevoir quelque chose de Dieu. There was no condition to receive anything from God. C'est pourquoi nous avons dit dans le temps de Dieu. So that's why we said in the beginning. Que toute personne, that anybody, qui a besoin de rencontrer le Seigneur, who wants to meet the Lord, vu sa situation, concerning his situation, la maladie, his sickness, la possession démoniaque, demonic possession, tu dors, tu rêves quand t'appresses le cou, tu n'arrives même pas, tu me dis Jésus, je n'ai pas moyen, tu es dans tes rêves. You are sleeping and come and oppress in the night and there's no way to cry Jesus. Ça c'est un signe de la possession démoniaque. This is a sign of demonic possession. Alléluia. Alléluia. Tu rêves, tu es dans l'eau, quand tu es nagé constamment. You dream and you're in water swimming. Et toi tu vas maintenant le monde marin des eaux. And there you go in the world of water. Là-bas, ça veut dire que tu es possédé par un esprit des eaux. It means you're possessed by a marine spirit. On appelle ça les mamies water vulgairement. They call them mamies water commonly. Et plusieurs personnes ici, and many people here, sont possédés par les esprits des esprits des eaux. Are possessed by marine spirits. Et d'où sont venus ces esprits des eaux? And where did these marine spirits came from? Les esprits des eaux, marine spirits, sont venus par le fait que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. It came in the fact that we do not obey to the word of God. Vous savez, quand nous étions même enfants, we were still children, le monde a commencé à nous préparer. The world started preparing us par rapport au monde des eaux. Concerning the world of water, il y avait les dessins animés. There was a Tintin. What they call in the French Tintin. Ah, voilà. Voilà Jésus. Glory be Jesus. Et dans ces bandes de dessins animés, in this drawings and this cartoon. Voilà, gloire à Jésus. Glory be Jesus. On nous montrait déjà vraiment des très belles femmes. They were showing us very beautiful women. Comme les Clémentines. As Clémentine. Plusieurs autres. Hein? Many Marie. Others. Dans les cheveux pour les papis. And the Babi. Babi c'est le nom. Babi. Les cheveux pouvaient partir d'ici là jusqu'à toucher le sol. So the hair could go from the head and touch the ground. Tellement très vite les choses sont allées encore plus vite. So and things went very fast again. De telle sorte qu'aujourd'hui, in such a way that today, toutes les femmes, any woman, aujourd'hui ne peuvent pas dire que elles ne sont pas des sirènes. That they are not marine spirits. Aujourd'hui toutes les femmes sont devenues des sirènes. Today many women have become marine spirits. Pourquoi? Why? Parce qu'elles ont refusé l'usage naturel de Dieu. Because they have refused the natural use of God. Vous s'attachez à la chose artificielle. To attach themselves to artificial things. Et c'est ça qui est devenu la beauté aujourd'hui. And that's what it has become beauty today. C'est devenu la beauté. It has become beauty. Aujourd'hui, today, si tu n'as pas, if you don't have, le faux sur toi, if you don't have something false on you, si tu n'as pas le faux sur toi, if you don't have something false on you, ça veut dire que toi tu n'es pas belle. It means you're not beautiful. Donc par conséquent, so consequently, tu vas d'abord avoir les faux cheveux, so you must have false hair, les faux cils, false eyesight, les faux ongles, false nails, les fausses couleurs de peau, false skin color, les fausses volumes de sein, false breast weight, les faux volumes de fesses, false buttock weight. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. So that's the world in which we are living. Et l'église and the church est aussi entrée dedans. Has also entered in it. Donc ce qui fait comprendre réellement bien aimé. What does what make us understand? Ce n'est pas qu'il manque des églises dehors. It doesn't mean that churches are lacking outside. Il y a des églises. There are churches. Et des milliers d'églises. And thousands and thousands of churches. Et quand on parle d'église là-bas, when we talk about church there, nous parlons de l'église comme un point de rassemblement. So we talk about the church as a point of assembly. Mais l'église véritable, but the true church, qui est l'église de Jésus-Christ, that is the church of Jesus Christ, c'est l'église de sainteté, the church of holiness, c'est l'église de pureté, the church of purity, c'est l'église de sainteté, the church of purity. C'est le pourquoi il va dire, that's why he can say, dans Hébreux chapitre 12, in Hebrews chapter 12, verset 14, verse 14, il dit recherchez la paix, he said that pursue peace avec tous, with everybody, et la sanctification, and sanctification, sans laquelle, without which,
Personne ne verra le Seigneur. No one who shall see God. Et la sanctification ici, and sanctification here, a trois domaines. Has three domains. Le premier domaine de la sanctification, the first domain of sanctification, c'est la sanctification du cœur. Is the sanctification of the heart. Ça veut dire que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton cœur, so it means that anything that God has not planted in your heart, devra être arraché. Should be removed. Devra être arraché. Should be uprooted. Comme ceci, like this one, la méchanceté, a wickedness, les jalousies, jealousy, le meurtre, murder, les fornications, fornication, les adultères, adultery, les masturbations, masturbation, la pornographie, pornography. Vous voyez aujourd'hui, you see today, vous voyez des messieurs, you see a man, les dames, a woman, bien vêtue, that's well dressed, vraiment à un âge avancé, and she has an old in old age, tu vois leur âge. You see their age. Tu vois le même le respect. You see their respect. Mais tu prends son téléphone. When you take her phone. Après tu ouvres son téléphone. Just open her phone. Tu trouves la pornographie à l'intérieur. Pornography in it. Ils vont te dire c'est un film comme tout le reste des films. They will tell you it's a film like other films. Bien aimé dans le Seigneur. I love the Lord. Dieu, tu fuyais l'impudicité. God says run away from unholiness. Fuyais l'impudicité. Run away from fornication. Fuyez l'impudicité. Run away from impudicity. Le Seigneur demande. The Lord asks d'abandonner l'impudicité. Abandon impudicity. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Toi qui as encore des films porno dans ton téléphone. You see pornographic movies in your phone. Et qui te dit chrétien. I know you say you're a Christian. Toi qui regardes les films porno. You don't is watching pornographic movies. Et tu te dis chrétien. And you said you're a Christian. C'est un avertissement que le Seigneur te donne. It is a warning that the Lord is giving you. Il t'appelle à la repentance. He's calling for repentance. Il te demande de nettoyer tous ces pornos là dans ton téléphone. He asks you to clean away all those pornography in your phone. D'abandonner cette façon de faire. To abandon that manner of doing. Car c'est une vie perverse. It is a perverse lifestyle. Donc tu dois abandonner cette vie. So you must abandon that life. Donc à cause de cette vie de perversité. So because of the life of perversity. Nous pouvons voir aujourd'hui. We can find today. La perversité. Perversity. Qui a envahi tout le monde entier. That has invaded all the whole world. Hier les hommes s'habillaient. Yesterday men were dressing. Ils portaient des pantalons. They were wearing trousers. Qui étaient amples sur eux. That was ample on their body. Aujourd'hui. But today. Les hommes portent des pantalons. Men wear trousers qui collent sur eux. That is tighten them. Comme des vulgaires homosexuels. Like homosexuals. Comme des vulgaires pédés. Like homosexuals. Voilà. Comme des vulgaires pédés. Like homosexuals. Et par conséquent. And consequently. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. They say they are children of God. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ta vestimentaire a quelque chose à voir avec Dieu. Your way of dressing has something to do with God. Ta façon de t'habiller a quelque chose à voir avec Dieu. Your way of dressing has something to do with God. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Tu vois aujourd'hui la jeunesse. You see today the youth. Qui s'habille. That dress up. Il laisse le pantalon en bas là-bas. He leaves the trouser down there. Le pantalon est ici. The trouser is here. On appelle ça pantalon chier chier. And they call it pantalon chier chier. Pantalon chier caca. Chier caca. Et il marche avec ça. And I'm walking with that. C'est là qui dit qu'il est young. Et ça, that is a. Bien aimé, laissez au monde ce qui est au monde. Brother, abandon to the world what is from the world. Un enfant de Dieu. A child of God. Doit avoir un cœur pur. Must have a pure heart. Et la Bible déclare. And the Bible says. Que c'est de l'abondance du cœur. Because of the abundance of the heart. Que la bouche confesse. That the mouth shall speak. La Bible déclare. The Bible says. D'où viennent les souillures? Where does the impurity comes? D'où viennent les souillures? Where does filthiness come? D'où viennent les méchancetés? Where does wickedness come? D'où viennent les querelles? Where does quarrels and strife come? D'où viennent toutes ces choses? Where does all these things come from? N'est-ce pas du cœur? It comes from the heart. N'est-ce pas du cœur? From the heart. Parce que ça vient du cœur. Because it comes from the heart. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je veux t'annoncer. I want to announce something to you. Tout homme, any man, qui porte un pantalon, that wears a trouser, qui le colle, that is tightened him, comme une femme, like a woman, elle est possédée par un esprit d'homosexualité. Is possessed by a spirit of homosexuality. Même si lui ne va pas pratiquer ça dans son temps. Even if he doesn't go to practice in his si time, ne se répand pas, if he doesn't repent, ses enfants deviendront des homosexuels devant ses yeux. His children will become homosexual before his face. Et maintenant donc, and now then, bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, je veux aussi parler, I want to also speak, aux femmes aussi, to women also. Aujourd'hui les femmes, today women,
sont remplis et possédés de l'esprit de Jézabel. They are possessed by the spirit of Jezebel. Jézabel. Jezebel. Cette femme là. This woman. Qui a appris aux enfants d'Israël. That has taught the children of Israel. Comment se parer? How to dress themselves? Comment se parer? How to paint themselves? Le mot parer. The word to dress. Veut dire apporter l'artificiel. So it means to bring artificial. Elle a appris aux enfants d'Israël. She has taught the children of Israel. Aux femmes d'Israël. To the women of Israel. Comment mettre le rouge à lèvres sur les lèvres. How to put okay. So to put a paste on their mouth. À mettre les faux cils sur leurs yeux. To put a false eyelashes. À mettre les faux cheveux sur leur corps. Put false hair on their body. À mettre les huiles pour changer la couleur de leur peau. To put oil to change the color of their skin. Bien-aimé dans le Seigneur. We love in the Lord. Même nous-mêmes qui sommes parents. Even us who are parents. Si tu achètes à ton enfant. If you buy to your child. Une chaussure de couleur blanche. A shoe that's white in color. Que lundi va à l'école avec. On Monday goes with it to school. Il revient avec le lundi soir. He comes with it on Monday evening. Il a mis une peinture noire sur ça. He has put a black paint on it. Tu ne seras pas content. You shall not be happy. Tu vas punir cet enfant. You punish the child. Nous avons enseigné sur le matin. So we have taught here in the morning. Que Dieu est notre père. That God is our father. Et Dieu est tant que notre père. And God has been as our father. Il nous a envoyé dans ce monde. He has sent us in this world. Donc il a voulu qu'elle soit brune. He wanted that order should be yellow in color. Donc il a voulu qu'il soit noir comme moi, comme le charbon comme moi là. He wanted that others should be black like charcoal as me. Ah, Père Jésus. Glory be Jesus. À chacun. To anyone. Dieu a donné selon son bon vouloir. God has given according to his own good will. Mais bien aimé dans le Seigneur. My beloved in the Lord. Quand toi. But when you. Tu viens sur la terre. You come on the earth. Tu prends la résolution. You take the resolution. De changer. To change. La couleur de ta peau. Your skin color. Ça veut dire que tu mets Dieu à défi. It means you are putting a God to a test. Tu mets Dieu à défi. It means you're putting God to the test. Bien aimé, beloved. Même quand tu feras l'onjansan comment? Even when you shall do what they call jansan, il y aura toujours une partie pour te trahir. There will also be an error to betray you. To accuse you. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Changer la couleur de sa peau. To change his skin color. C'est une abomination très grave aux yeux de l'Éternel. It's an abomination very great in the sight of the Lord. C'est une abomination très grave aux yeux de l'Éternel. It is a great abomination before the eyes of the Lord. C'est comme si tu disais Dieu. It's as if you were telling the Lord. Oh Dieu. Oh God. Tu as mal fait de me créer tel que je suis. You have done evil by creating me as I am. Parce que moi je te défie. Because I want to challenge you. J'ai pris la résolution de changer la couleur de ma peau. I've taken the resolution to change my skin color. Bien aimé, la parole de Dieu déclare. Beloved, the word of God says. L'Éthiopien. That can an Ethiopian. Pourra-t-il changer la couleur de sa peau? Can he change his skin color? L'Éthiopien. The Ethiopian. Pourra-t-il changer la couleur de sa peau? Can he change his skin color? Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Pour ceux qui pensent que c'est la for those who think it's a joke, nous allons lire dans la parole de Dieu. We're going to read in the word of God. L'homme de Dieu, le prophète Abraham va lire dans la parole de Dieu. Prophète Abraham will read in the word of God. Vas-y, homme de Dieu. Jérémie chapitre 13 au verset 23. Vous qui changez la couleur de vos peaux, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos ongles, la couleur, je ne sais de quoi et de quoi. Écoutez ce que l'Éternel dit. Un noir peut-il changer sa couleur de peau? Un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Et un léopard ses taches? Et un léopard ses taches? De même. Pourriez-vous faire le bien? Vous qui êtes accoutumé à faire le mal. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Vous voyez, Dieu pose déjà la question d'emblée. So God is already asking the question. Si un noir peut changer la couleur de sa peau. If a black man can change his skin color. Mais aujourd'hui, but today, les gens changent la couleur de leur peau. People change their skin color. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Les gens ont défié Dieu. God, people have challenged God. Ils ont défié Dieu. They have challenged God. Ils ont défié Dieu. They have challenged God. Et parce qu'ils ont défié Dieu. And because they have challenged God. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. S'ils ne se repentent pas. If they don't repent. En entendant cette parole. Where they are hearing this word. Toi qui as changé la
la couleur de ta peau. You have changed your skin color. Toi qui utilises les cosmétiques. Yeah, you are using cosmetic. Toi qui utilises la cosmétique. You are using cosmetic agents. Pour changer la couleur de ta peau. Change your skin color. Le Seigneur t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Tu as besoin de te repentir. You're supposed to repent. Même si ton pasteur. Even if your pastor. Te dit. Tells you. Que tu es belle en Jésus. That you are beautiful in Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. I love in the Lord. Tu dois te repentir. You must repent. Et demander à Dieu pardon. And ask forgiveness from God. À lui disant Seigneur. By telling him Lord. Je ne savais pas qu'en changeant la couleur de ma peau. I didn't know that by changing my skin color. Je faisais mal. I was doing evil. Je te mettais à défi. I was challenging you. Donc bien aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. En changeant la couleur de ta peau. When you change your skin color. Il y a les conséquences même. There are consequences even. Il y a le cancer de la peau. There is cancer of the skin. Il y a le cancer général du corps. There's general cancer skin color. Il y a le cancer du sang. There's cancer of the blood. Donc Dieu. So God a besoin de ta repentance. Needs your repentance. Je t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Je t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Je t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Toi qui as rasé tes cheveux. You have shaved your hair. Et qui a porté sur ta tête. And now cutting it on your head. Les cheveux artificiels. Artificial hair. C'est mettre Dieu à défi. It is to challenge God. Et Dieu va demander dans le livre de Matthieu. And God will ask in the book of Matthew. Si l'homme peut compter le nombre de ses cheveux. If man can count the number of his hair. Et donner même donner la blancheur à ses cheveux. And to change and to give a whiteness to his hair. Bien aimé, c'est Dieu qui donne la blancheur aux cheveux. So it is God that give whiteness to your hair. C'est Dieu qui donne la blancheur aux cheveux. It is God that give the whiteness color to your hair. Comme il a donné à moi. As he gave to me. Bien aimé dans le Seigneur. He loved in the Lord. Dans le livre de Timothée. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. In the book of 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Ok, Deutéronome bien aimé. Deutéronome. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Deutéronome 22 verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme non plus. Et un homme non plus. Ne mettra point de vêtements de femme. Ne mettra sur lui de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses. Car quiconque fait ces choses. Est en abomination. Est en abomination. À l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Quiconque. Whosoever. Porte les vêtements d'une femme. Where the dressing of a woman at an abomination to the Lord. It's an abomination to the Lord is God. Et toute femme and any woman qui porte who wears un vêtement d'homme the dress of a man at an abomination to the Lord. It's an abomination to the Lord. Donc bien aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Nous devons apprendre à vivre comme des chrétiens. So we're supposed to learn to live as Christians. Bien aimé, le pantalon. Beloved, the trousers. Est un habit d'homme. It's a dress for a man. Toutes les femmes qui portent le pantalon. All women who wear trousers. Oui, tu le portais par ignorance. You were wearing by ignorance. Tu ne savais même pas que dans la Bible. You didn't know that in the Bible. Dans la parole de Dieu. In the word of God. Dieu ne veut pas que les femmes s'habillent comme des hommes. God do not want women to dress like men. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Donc bien aimé dans le Seigneur. So beloved the Lord. Toi qui aimes le Seigneur. You will love the Lord. Toi qui aimes le Seigneur. You will love the Lord. Je vais te rassurer. I want to assure you. Je vais te rassurer. I want to assure you. Que Dieu t'aime aussi. Oh, God also loves you. Et qui ne veut pas que tu périsses. And he doesn't want you to perish. Il ne veut pas que tu périsses. He doesn't want you to perish. Il veut te donner la vie éternelle. He wants to give you everlasting life. Il veut te donner la vie éternelle. He wants to give you everlasting life. Afin que tu vives. So that you may live. Pour l'éternité. For eternity. Pour l'éternité. For eternity. Bien aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Je t'appelle à la repentance. God is calling you for repentance. Je t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. La repentance de toute votre mort. To repent of tout péché. Tout péché. Péché commis. Dans ta vie, dans ta life. Tu vas demander pardon à Dieu. Non. Tu vas demander pardon à Dieu. Pardon. Dieu, un jour ce putain, il n'abandonnera jamais. En toute humilité, parce que la parole de Dieu déclare, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il y a une gloire éternelle qui t'attend. Il y a une gloire éternelle qui t'attend.
Saint Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle. Donc bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, lis ta Bible, lis ta Bible, n'écoute pas, c'est pas une raison, Au nom de Jésus, soyez bénis, au nom de Jésus, 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 au nom de Jés